candidates de chacun son tour, Magali a été célébrée pour avoir été celle qui a participé le plus à un jeu télé dans l'histoire du genre télévisuel. Un record salué. Il y a ceux qui participent pour le fun, et il y en a qui font ça très sérieusement. Si est-il le cas de Magali, candidate du jeu télé de Stéphane Guillon, chacun son tour. Le programme a remplacé Les Amours depuis plusieurs mois avec un certain succès, s'installant confortablement dans sa case horaire, chacun matin entre 11h et midi sur France 2, à plus d'un million de téléspectateurs. Pas moins de 315 participations pour Magali, mais contrairement à des émissions comme Attention à la marche ou N'oubliez pas les paroles, où il faut à chaque finale tenter de conserver sa place pour améliorer sa cagnotte, les candidats de chacun son tour, eux, sont tirés au sort. Si est-il le cas de Magali, qui a atteint, tenez-vous bien, les 315 émissions. Un joli score, qui n'a pas manqué d'être célébré par Bruno Guillon. D'autant que l'animateur réservait une sacrée surprise à la jeune femme, puisqu'en atteignant ce score, elle décroche également un record du monde. Avant d'attaquer l'émission, je voudrais demander à Magali de venir me rejoindre ici derrière le pupitre de chacun son tour, démarre-t-il après le tirage au sort, de façon extrêmement officielle, je vous annonce que vous êtes la candidate ayant le plus de participation à un même jeu. Un record du monde donc, si est-il dingue, s'exclame celui qui officie également sur Fun Radio et RTL chaque week-end. Un record du monde qui n'a rien d'officiel, ça fait 315 émissions que vous me supportez, lance-t-il alors à Magali, qui préfère le corriger et lui expliquer qu'elle s'amuse surtout. Pour célébrer ce moment historique dans un jeu télé, Bruno Guillon n'était toutefois pas venu les mains vides, il a ainsi offert à la candidate une petite coupe avec le record inscrit sur une plaque, ainsi qu'une médaille, qu'elle a arborée tout au long du numéro diffusé ce vendredi 2 décembre 2022. Mais malheureusement, ce record n'a rien d'officiel. Comme elle l'a confié à Ouest France au début du mois de novembre, il fallait faire une demande avant de participer à l'émission pour le faire attester. Si elle est présente dans chacun son tour depuis août 2021, elle ne revient en studio que deux fois par an, on tourne tous les 6 mois pendant 5 à 6 jours pour 12 émissions par jour de tournage. À lire aussi, Interville va faire son grand retour l'été prochain sur France 2 avec Bruno Guillon et Nagui à l'animation.